Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo suite à un petit achat que j'ai fait à Action ce week-end. Donc on m'a demandé si je pouvais faire une petite vidéo dessus. Donc voilà, c'est, je pense que c'est nouveau. Moi je suis allée à Auchan. N'importe quoi. Action pour trouver les nouveaux dyes et tampons avec les animaux. Donc avec les. Quoi, il y a les chats, je crois, puis il y a d'autres choses. Bon, je les ai pas trouvés. J'ai juste trouvé donc ces trois-là. Et encore, je les ai trouvés un de chaque seulement. Donc je sais pas s'ils sont nouveaux ceux-là, mais moi je les avais pas. Enfin j'espère. Je vais vérifier. Donc cela, voilà, donc là c'est le dyes avec la feuille et il y a le dyes pour la framboise, voilà, donc c'est celui-là. Alors après j'ai celui-ci, donc le dyes ne correspond à aucun tampon, hein. Donc c'est juste un dyes juste pour faire une bordure ou voilà, je sais pas, je verrai ce que ça donne. Voilà, là dans les exemples par exemple, vous voyez, voilà ce qu'on peut faire avec, donc on verra bien. Donc les fleurs, ça a l'air d'être des jonquilles ou des petits narcisses, bon, pour le printemps, vous voyez, on verra. Et le troisième, c'est celui-ci, donc c'est des petites baies. Donc il y a le dyes pour la feuille et le dyes pour les petites baies. Alors c'est le dyes qui va avec ce tampon ici, voilà, voilà. Donc pareil, je ferai des essais pour voir ce que ça donne. Donc et le dyes fleur, voilà le tampon qui y va avec. Donc c'est tout ce que j'avais trouvé. Ah oui, et puis j'avais trouvé celui-là, donc pour les animaux. Mais j'ai un doute, je me demande si celui-là, je ne l'ai pas déjà. Voilà, donc avec les oiseaux, celui-là. Mais il faut que je vérifie. Je me demande si celui-là était pas déjà un ancien et que j'aurais déjà... Je sais pas. Ou alors c'est parce que je l'ai déjà vu dans les vidéos et qu'il me dit quelque chose. Donc, mais il était tout seul aussi. Donc bon, de toute façon il n'y avait rien, il y avait trop de monde. Et puis j'étais avec mon chouchou. Donc avec quand je suis avec lui pour aller à Action, c'est compliqué. J'ai pas le temps de regarder, de fouiller. Voilà. Et donc j'ai pris ça également. Voilà. Et la vidéo, c'est pour ça. Voilà, donc j'ai Coco qui l'a vu que j'avais mis la photo de ça sur mon Facebook. Et qui m'a demandé donc d'en faire une vidéo. Donc bah, on va faire une petite vidéo ensemble. Je vais le monter avec vous pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc il y a plusieurs modèles. Bon, les autres modèles, je ne sais plus ce que c'est parce que je vous dis j'étais très vite. Donc voilà. Donc on a un globe. Ça m'a l'air en vert. Hein. Ouais, ça a l'air d'être du vert quand même. Moins plastique. Non, c'est un plastique. C'est un plastique, c'est pas en verre. Bon. Ouais, c'est du plastique. Parce que là, vous voyez, je sais pas si vous verrez là, la caméra, mais on voit une petite finition. Donc ça, c'est du plastique. On a des stickers. Enfin, c'est pas des stickers, je pense. Bon, on va déballer. Donc, il y a tout ce qu'il faut dedans. Les petits fils de fer, il y a les papillons, il y a des 3D, des carrés 3D, et le socle, voilà, en liège, oui, parce qu'on va devoir piquer les papillons dedans, voilà. Et donc, à la fin, voilà ce que ça vous donne. Oh, que je me... bah alors, mets-toi bien devant, Ellie. Ouais, voilà ce que ça donne à la fin. Donc, voilà. Qu'on a donc on a trois planches normalement dedans, voilà, le papillon,
On va ouvrir le plastique pour voir ce que c'est. Donc ma vidéo ne va pas être très longue aujourd'hui parce que j'ai un rendez-vous médical cet après-midi. Donc je ne peux pas être trop long, trop longue aujourd'hui. Donc voilà, on a les trois petits fils de fer. Voilà. J'espère que vous les voyez bien. Mais bon. Trois petits fils de fer. Les petits carrés à trois mousses. Et, oui, on a bien trois planches. Donc une première planche avec les papillons. Une deuxième planche, toujours les papillons. Et une troisième, voilà, avec des plus petits papillons. Donc, comment font-ils? Alors, bien sûr, il n'y a pas d'explication, hein, comme d'hab. Donc, je suppose que l'on... Parce que les fils de fer sont bien plus hauts que le globe. Et on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ils ont dû les couper. Oui, je pense qu'il faut couper les fils de fer pour pouvoir en faire 6. Et on coupe et on met les papillons. Alors, est-ce qu'ils sont autocollants? On va voir. J'ai déjà envie de couper un. Non, ils ne sont pas autocollants. Faites votre propre décoration de printemps. Oui, merci, c'est gentil. Alors, il faut de la colle et pas de ciseaux. Bon, donc il faut la colle. Donc, on va prendre de la colle. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais baisser ma caméra. Que je fais. Voilà. Donc ah oui, et donc il y a un côté, voilà, il y a une planche où il y a du brillant, voyez, là il y a du foil, et sur l'autre planche il n'y en a pas. Donc, par contre il me faut une pince coupante alors. Pour couper mes papillons. Donc vous voyez, donc comme il y a deux fois le même papillon, bien sûr, un côté folle, un côté où il n'y en a pas. Donc on va devoir les coller comme ceci. J'espère qu'ils sont bien. Ah, voilà, Fifi qui gratte à la porte. Ils sont pas super super vous voyez, il y a un écart, hein. Il y a un écart, donc ça va pas être top top. Si c'est comme ça pour tous, ça va pas être super. Il va falloir tous les rattraper au cutter. Regardez l'autre. Ouais, il va falloir rattraper un petit peu au cutter au scalpel chaque papillon. Qui n'ont pas tout à fait la même. Voilà, je vais vous montrer. Vous voyez, il y a un écart de blanc. Donc ça va pas être super 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 sympa. Alors mon scalpel.
Donc il va falloir que je le redécoupe. Bon, des fois ils font des trucs bien chez Action, alors des fois on va faire que je passe du temps dessus, tout redécouper. Et là malheureusement comme j'ai dit au début de la vidéo, je vais pas avoir trop le temps aujourd'hui. Ouais, il faut tous les redécouper un à un pour enlever ce qui va dépasser. Alors voyez, sinon ça va faire moche hein. Ça va faire super moche, donc il va falloir que je vois pour les redécouper un par un. Parce qu'ils ont ils ont imprimé le, si vous voulez, le papillon face tout le temps la même face, mais ils n'ont pas pensé que la face, le recto et le verso, c'est pas la même chose. Eux ils ont imprimé par exemple tous les rectos, voilà, c'est donc c'est toujours pareil, mais recto verso c'est pas la même chose, il y a toujours un décalage. Donc bah du coup je vais pas pouvoir vous montrer le montage et la finition aujourd'hui. Mince, je suis désolée. J'aurais dû vérifier avant de vous faire le petit montage de la vidéo. Attendez, j'ouvre la porte parce qu'elle miaule. Voilà, elle va sûrement arriver. Alors attendez, je remets la caméra. Voilà, alors du coup, désolé, on va pas faire le montage aujourd'hui. Il va falloir que je refais tout à la main. Donc j'espère que ça va aller, parce que sinon ben, je vais l'abandonner et je ferai autre chose avec le globe. Tu veux venir? Viens dire bonjour. Fifi, Fifi, pourquoi maman elle a mis le tapis du salon ici? Hein? Oui, le tapis du salon est dans mon atelier. Voilà. Parce que un de mes chiens, un de mes poilus, donc mon plus vieux, mon pépère, ben, le pauvre est vieux. Donc il a oublié un petit pipi. Et du coup, on a nettoyé le tapis. Et maintenant, il faut que le tapis... Non, non, fais pas tes griffes sur le tapis. Maman, elle veut pas. Et du coup, maintenant, il faut que le tapis sèche. Parce qu'on l'a nettoyé. Et du coup, elle se demande pourquoi le tapis est ici. Hein? Et bon, du coup, je sais pas si je vais remettre le tapis dans le salon, parce que du coup, comme il l'a fait une fois, j'ai peur qu'il refasse. De toute façon, pour le mariage, je vais pas le mettre, donc je vais attendre qu'il soit sec, et puis je pense que le tapis va aller dans ma chambre. Ouais. Hein, Fifi? Bah oui, le tapis, il est là. je demande ce qui se passe. Bah, je vais en profiter pour vous montrer. Donc, alors, comment on va faire? Je vais faire comme ça. Je vais le mettre là. Je vais bouger la caméra. Alors, je vais enlever le globe pour pas l'abîmer quand même. Donc, je disais, si vraiment c'est trop compliqué, trop difficile, bon, je garderai les papillons pour faire autre chose. Hein. Je m'en servirai pour mettre sur des albums ou quoi, et je me servirai du globe bah, pour faire autre chose. Mais bon, ils sont chiants des fois. Action, ça, par moment, ça me prend la tête, parce que c'est pas la première fois que je prends comme ça des DIY et puis que ça part à la poubelle, parce que c'est mal coupé, c'est mal. J'ai déjà jeté des choses, mais c'est là. Bonjour. Voilà. Que les trous sont pas faits au bon endroit, que les je veux bien, bon, ils fabriquent en Chine, c'est pas cher, mais bon, par moment faut pas nous prendre pour des couillons aussi, parce que même si on paye ça 1 euro, 2 euros, 3 euros, même bon, c'est comme 3 euros de foutu à la poubelle des fois, donc faut pas qu'ils nous prennent pour des couillons non plus. Donc il y a des fois, bon, ça me prend le chou. Voilà. Bon, j'ai poussé mon coup de gueule. oui, mais attends, Fifi.
Je voudrais montrer quelque chose. Ah, oui, non, non, ne te frotte pas sur mon tableau. Attends, bah alors c'est pour faire idiote. Alors, je vais bouger un peu la caméra. J'espère que. Voilà. Vous vous rappelez que j'avais fait donc mon. Justement, c'est un DIY d'action, ça. Alors, on va essayer de le mettre bien. Voilà. Je l'ai monté donc sur une toile. Bah, c'est une toile d'action. Que j'ai bombée. En doré. La bombe, elle vient d'action, je crois, non? Je ne sais plus, mais enfin, je souhaite. Donc, j'ai bombé la toile en doré. J'ai fixé mon petit cerf sur la toile et j'ai remis un petit peu autour, donc des petites décos qui me restaient, j'en ai encore d'ailleurs. Voilà, donc comme ça, ben, je le trouve joli. Là, il est pour l'instant, il est posé sur un chevalet, voyez, le chevalet d'action également. Mais après, je vais lui mettre des attaches derrière pour le mettre au mur. Voilà. Donc, je trouvais que ça faisait beaucoup plus joli sur une toile. Vous voyez. Bon, voilà. Donc là, celui-là, bah, est terminé. Il a été facile. Il lui manquait pas de pièces. Cette pièce allait au bon endroit. Voilà. Bon, des fois, il y en a quand même qui vont bien. Mais quand il y a des choses là, voilà, comme ça. Bon. Alors, Coco, tu vois, ouais, sur l'image, c'est super joli. Mais. Voilà, c'est juste joli sur l'image, mais il y a des défauts. Alors, attendez, je vais reposer la caméra. Désolée, je n'ai pas donné mal de mer, j'espère. Voilà. Bon, ben voilà, hein, je voulais vous faire un petit montage de DIY, mais bon, c'est raté. Ouais, de toute façon, je vous dis, si j'arrive pas, je ferai autre chose avec et je vous montrerai ce que j'ai fait avec, ou je le ferai en caméra pour vous montrer. Ah bon, elle me met sa queue dans la bouche. Crochefois folle. Petit crochefois folle. Hier, elle était toute seule avec ses copains, les poilus à la maison, parce que nous, on n'était pas là. Hein? Bon, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Hier, on en a profité pour aller faire une balade. Il y avait le salon. Alors, je vous mets juste après. Enfin, ça dure 15 secondes. Hein. J'ai filmé 15 secondes. Le salon de la vape, c'était Vape Expo à Lille, donc à Lille Grand Palais. Donc on a été, mon chouchou et moi, hier, se balader là, parce qu'on vape tous les deux, comme on avait arrêté de fumer, arrête un petit peu. Et donc, bah, je vais vous mettre les 15 secondes que j'ai filmées pour vous montrer l'ambiance un peu qu'il y avait là-bas. Surtout l'ambiance enfumée qu'il y avait. Mais enfin, c'était bien. On a passé une bonne journée. Enfin, on n'est pas resté là toute la journée, hein, mais c'était pas mal. On a vu de belles choses, de beaux stands. Puis bon, c'était vraiment pas mal. Voilà, on est rentré les jambes en compote. C'est plus de notre âge. Mais bon, non, c'était bien. Et déjà que samedi, on avait été à Famille Flora en Belgique. Il y avait un monde fou, pareil. Donc, 2 jours en suivant, pour notre vieil âge, c'est plus. Arrête, Fifi. Mais bon, là maintenant, j'ai la semaine pour me reposer. Enfin, si on veut. Donc voilà, bon ben je suis désolée, je voulais vous montrer ce DIY monté et tout. Alors, s'il y en a certaines d'entre vous qui l'ont, bon, hop, là par terre, qui l'ont acheté et puis qui ont eu les découpes bien faites, bah, dites-le moi. Ou est-ce que vous êtes comme moi, qui a des défauts, qui doivent aussi redécouper dans les papillons. Mais Julie, là, je commence à être déçue par ces trucs. Et je suis plus accro comme j'étais avant par action. La preuve, hein, vous voyez bien, moi je n'y vais plus comme avant. Pas seulement pour une histoire de sous. Bon, c'est une des raisons quand même. Mais c'est pas seulement pour une histoire de sous. C'est que ça commence à être toujours la même chose chez Action. Ça devient lassant, ça devient
ils ressortent toujours la même chose, bon, sous une forme peut-être différente, hein. Ils changent peut-être un petit truc, mais ça devient toujours pareil. Et puis bon, et puis quand on y va, de toute façon, on arrive, boum, il n'y a plus rien. On a des clientes là qui arrivent, qui remplissent leur panier à gogo, qui vident le rayon d'un coup, et puis ça me gave. Les personnes qui sont complètement perso, qui ne pensent qu'à elles, qui ne pensent pas qu'il y a d'autres clients qui veulent acheter aussi. Bon, enfin. Mais c'est vrai que ça commence à me lasser un peu, Action. Donc j'y vais beaucoup moins. Avant, j'y allais plusieurs fois par semaine. Maintenant, j'y vais 2 fois par mois. Bon, peut-être 3. Mais c'est vraiment. Voilà. De toute façon, vous voyez bien, hein, je ne fais plus de haul comme je faisais avant. Non, bon, là, parce que j'ai. Pardon. Je suis encore fatiguée de ma journée d'hier. Parce que là, bon, je voulais trouver vraiment les dyes tampons, surtout sur les chats. Bon, ils n'y étaient pas. Tant pis, hein, je ne les ai pas, je ne les ai pas. Hein. Et là, je trouvais beau parce que j'adore les papillons. Et puis, en fin de compte, bah, je suis déçue. Bon, c'est rien. Je me servirai du globe pour autre chose. Je ferai une déco, peut-être. Un souvenir de mon mariage. Et puis, que je mettrai dedans. Je verrai. Bon, on verra. Voilà. Bon. Je vais devoir vous laisser parce que ça va bientôt être l'heure de mon rendez-vous pour chez ma pneumologue. En plus, c'est pour aller me faire engueuler, donc bon. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Ce soir, je vous mettrai peut-être une vidéo avec Fifi pour vous donner le rendez-vous pour le prochain live. Je vois si je le fais demain ou si je le fais jeudi. Parce que là, du coup, comme on a passé la journée là-bas à Lille, j'ai pas eu le temps de faire le tri dans mon si je vous fais ça ce soir, si je vous mets cette mini vidéo ce soir ou demain pour le donner rendez-vous. Puis voilà. Bon, Fifi à la bougeotte, hein, comme d'hab. T'as la bougeotte? Un croche. Fais un bisou, maman. Fais un bisou. Non, fais un câlin. Un bisou. Oh, non, je vais faire des câlins. Hein? Bon, allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Bye bye! Bisous bisous à tous!